Sur le marché ce matin, beaucoup se réjouissent de l'annonce du ministre de l'Intérieur. Ah oui, alors là, je suis tombée des placards, là, franchement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'était toujours non, 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 et puis voilà que c'est oui. Eh bien, c'est très bien, très, très, très bien. Eh bien, qu'ils en discutent et qu'ils aboutissent. En visite à Ajaccio aujourd'hui, Gérald Darmanin se dit prêt à discuter de l'autonomie de la Corse. Beaucoup attendaient cela depuis 7 ans, et l'arrivée au pouvoir sur l'île des autonomistes. C'est l'aspect des votes des électeurs. Hein. Ils ont été mis au pouvoir normalement par le vote légal. Cette annonce intervient dans un contexte tendu. Depuis 10 jours, la Corse connaît de violents incidents en lien avec l'agression en prison d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Ce matin, beaucoup regrettent que l'État ait attendu cette situation pour ouvrir les discussions. Ben c'est un signal de faiblesse. C'est la faiblesse, hein. Ils ont eu peur, ils ont peur. Ah non, c'est pas bien, c'est pas bon. L'autonomie, oui, pour de nombreux Corses. Mais concrètement, qu'est-ce que cela pourrait changer dans leur quotidien ? Certains impôts qui seraient, à la place de les ponctionner ici, de les renvoyer sur Paris, de nous les renvoyer après, on ferait peut-être même des économies. Moi, je veux une autonomie de gestion. Sur quoi ? Ben, surtout, je veux dire qu'à un moment donné, chaque fois qu'il y a une décision à prendre localement, qu'on ne soit pas obligé de se référer au gouvernement sur des choses tout à fait normales. Aller plus loin que l'autonomie de gestion qui existe déjà sur l'île, cela fera partie des demandes des élus corses cet après-midi. Ils rencontreront Gérald Darmanin à 15h pour la première phase des discussions. La Corse, qui, contrairement parfois aux idées reçues, n'est pas une collectivité d'outre-mer, mais relève d'un dispositif unique depuis 4 ans. Quelles sont ses spécificités, ses droits, ses avantages ? Élément de réponse avec Bastien Auger et Séverine Fortin. La Corse est une collectivité à statut particulier. Elle n'est pas autonome, mais ce n'est pas non plus une région à proprement parler. L'exécutif local et l'Assemblée de Corse ont des pouvoirs similaires à ceux d'une région, mais avec la possibilité, en plus, de demander à l'État d'adapter les lois nationales aux particularités de l'île. Des particularités, justement, il y en a notamment sur la fiscalité. Par exemple, les vins corses consommés en Corse ne sont pas taxés. L'île bénéficie aussi de taux de TVA réduits, par exemple sur les travaux ou le prix de l'essence, afin de compenser le coût de la vie. Vivre sur une île est particulièrement coûteux. Les produits sont chers, donc il est normal que pour rééquilibrer un petit peu cette perte de pouvoir d'achat, que les Corses puissent bénéficier de taux de TVA réduits. Autre avantage, sur les droits de succession, seulement 50% de la valeur des biens sont aujourd'hui taxés, mais cette exception, jugée inconstitutionnelle, devrait disparaître en 2028, la fin d'une tradition de 200 ans. Au départ, c'était effectivement pour compenser en fait, hein, les terrains, notamment les bois qui avaient été pris aux Corses. Donc il y avait vraiment un dédommagement. Le statut actuel est jugé insuffisant par les partisans de l'autonomie. Eux voudraient que la Corse, contrairement à aujourd'hui, puisse adopter ses propres lois.